Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je suis à Barcelone. J'ai été invité par Seat, je vais vous faire découvrir le programme au fur et à mesure de la vidéo. Sur ce, je vais manger et ensuite je vous emmène avec moi au Muséum Seat de Barcelone. Voilà, donc là je me trouve à l'intérieur du musée Seat à Barcelone. Il faut savoir que cet endroit n'est pas accessible au public, c'est un endroit que pour les gens qui font partie de la manufacture de Seat, donc c'est vraiment un lieu historique. Parmi toutes les voitures qu'il y a ici, il y en a beaucoup qui ont été construites mais qui ne sont jamais sorties, qui n'ont jamais été commercialisées pour diverses raisons. Juste là se trouve la Seat Toledo, donc c'est la première Seat 100% électrique jamais conçue. Elle a été faite à l'occasion, à l'époque, pour les Jeux Olympiques. Et la petite anecdote, c'est que la distance maximale que cette voiture pouvait faire une fois la charge complète, c'est 42 km. Donc autant dire que c'était pas énorme. Ce sont pas moins de 170 voitures qui constituent le musée. Parmi elles, la Seat 600. C'est la voiture la plus importante du pays, au même titre qu'une Beetle en Allemagne ou une Mini en Angleterre. Ces autocollants que l'on peut voir sur certaines voitures sont là pour indiquer qu'il s'agit du premier châssis du modèle en question. Nous avons eu la chance de pouvoir tester une Seat 2000 ainsi qu'un ATK afin de se rendre compte de l'évolution d'une voiture sur 50 ans. Le premier modèle demande bien évidemment beaucoup plus de force dans les bras et beaucoup plus d'attention sur la route que le SUV de 2017. Les progrès sont impressionnants. Et il faut savoir qu'ici, il y a vraiment des voitures de collection, des pièces uniques. Il y a certaines voitures, par exemple, il n'y en a qu'un exemplaire dans le monde et il est ici. Du coup, il y a des gens, leur taf, ça a été de trouver qui avait le dernier exemplaire de certains modèles pour pouvoir l'exposer dans ce muséum. Donc il faut bien se dire qu'un véhicule qui récupère comme celui-là, qui ressemble à ça, ben, il finira exposé quelque part dans cette grande salle avec une finition parfaite. Voilà, fin de la visite au muséum, je suis claqué. Pour être totalement honnête, c'était super intéressant, mais je savais pas trop comment vous amener ça, je voulais pas faire un truc barbant, donc j'espère que c'était pas trop long. Et maintenant, j'ai quelques heures devant moi avant d'aller manger, du coup je vais faire un petit tour dans la ville et je vais vous faire quelques images. C'est en s'intéressant à chaque pièce d'une voiture que l'on peut se rendre compte de l'évolution et du travail fourni. Par exemple, il a fallu 3 ans pour développer les phares du dernier Tarraco, sans compter les étapes avant la commercialisation. Nous arrivons désormais à la fabrique principale de Seat. Avec ses 220 000 m², elle est l'une des plus grandes usines du groupe VW. Pour vous donner un exemple sur les moyens dont dispose la fabrique, il suffit de se tourner vers ce robot. Il est capable de détecter une anomalie de 0,05 mm, et si tel est le cas, la production s'arrête immédiatement. . 500 000 voitures sont produites ici par année. La plus populaire étant l'Ibiza, suivie de la Leon, puis de la A1 de chez Audi. Et
voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Je suis de retour chez moi en Suisse et d'ailleurs il fait très très mauvais. J'ai passé 2 jours très intenses, merci à toutes les personnes impliquées, ça a été super de vous rencontrer. J'ai fait au mieux pour vous faire vivre ce séjour avec moi, j'espère que ça vous a plu. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater la suite. Je l'avais encore jamais fait jusqu'à maintenant, mais pensez aussi à activer la petite cloche pour ne pas manquer la sortie des vidéos. Et moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo.